Bienvenue, suite de Wanteles du monde 19, monde 19-3, où c'est pour la bataille, pour l'héroïne, pour tout ce qu'on veut, la guerre, plutôt la reine, plus la reine. Hop, c'est parti. Où suis-je? Je sais même plus, je dois aller vers la reine, j'imagine. J'imagine. Bonjour. C'est vraiment ce que je fais, mais je le fais. Le seul problème, c'était vraiment les plantes la dernière fois. Oh putain, il y a une suite. Phase 2. Ça va pas l'air extrêmement difficile, on dirait. Voilà. Y'a rien en particulier, ça m'étonnerait quand même. En effet, absolument que dalle. En effet. Au-dessus, en dessous. Allons en dessous. Ah. Évidemment. Cela faisait longtemps, rival. Bien sûr. Vous les avez vus aussi? Deux. Je pensais avoir vu des petits enfants avec des ailes se cacher. Assurément, ils sont cachés si vite que je ne les ai pas encore vraiment rencontrés. Je voulais faire la course avec eux et voir à quelle vitesse ils allaient. Mais ce n'est pas grave. Parce que vous êtes ici, mon rival. Faisons une course, qu'en dites-vous? Pour 300 gemmes, j'accepte. Avec plaisir. Très bien alors, c'est parti. Course. 3, 2, 1, partez. Parti en avance. Avancez, hein. Hein? Ah oui, putain. Deux de cuit. Merde. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là 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 là. Ah merde. Pas grave, faut apprendre. Faut prendre le pattern. Ici, il faut faire ça. Faire comment? Ah non, juste comme ça en fait, d'accord. Hein? Comment on fait? Comment on peut faire la suite? Je sais plus. Je peux me laisser abattre. Oui, je suis prêt. My body was ready. Se battre. Et bien mieux que la dernière fois. Allez, quand on connaît le pattern, c'est forcément mieux. Mais comment je fais ici? Ah, comme ça! Quel abruti! Ok, d'accord, c'est comme ça. Oh, ok, d'accord. Ok. Ah, faut apprendre. Dans tous les cas, faut apprendre. On peut pas réussir une fois. Elle connaît la course. Impossible. Oui, blablabla. Hop. Très bien, très bien. Oui, bien sûr, en fait. Eh ouais. Ouais. Excellent. 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 Ouais. Elle triche, mais bon, classique. Hein. Et voilà. Facile. Extrêmement simple, trivial même. Je me suis même entraîné avec ma mère et pourtant, j'ai perdu. Loser. Comme entendu la part de mon rival, bien sûr. Ah, j'ai pas le temps de lire. J'ai hâte d'y être. J'ai trouvé ces gamins à m'entraîner avec eux. Et vous surpasser. Oui, tu vas t'entraîner avec des gamins, tu vas être meilleur que moi. Logique. Quand ça arrivera, vous devez m'offrir la contre-foudre. Tout de même, respecte-toi. Respecte-toi. C'est quand même 1000-0 que je te mets. Hein. Aïe, aïe. Banco. C'est un 6. J'ai même pas remarqué. Yo, gardien! Ah oui, potentiel. Très bien, enfin le début de notre entraînement. Je vais devenir instantanément plus forte avec un parchemin secret qui a été transmis depuis les temps anciens, c'est ça? Ne me dissimulez pas, je l'ai vu dans les archives des humains.
Une capacité qui multiplie vos aptitudes au combat par 500. Ou peut-être percer les points d'ouverture de sang pour modifier la constitution. La princesse est celle qui prépare la formation, alors... Oh, la princesse ? Je commence à être excité. Il doit sûrement y avoir un secret royal qui est transmis ici. Qui parle si fort ? Qui parle ? Ikiki ? Ah, c'est toi. Hein, princesse ? Que portez-vous ? Votre attention, ce stagiaire. Je peux être un ange, votre pire cauchemar, selon la façon dont vous... comment je sais cela ? J'ai appris une ou deux choses d'Eva qui formait des nouveaux gardiens. Non, je veux dire, on ne pose pas de questions à son sergent instructeur sans permission. Nous allons maintenant commencer l'un des entraînements habituels des gardiens de Canterbury. Qui est l'entraînement guérilla ? PTDR, c'est qui ? Ah, j'ai des flashbacks de l'époque où j'étais une nouvelle recrue. Tard l'époque. Mais quoi ? Mais qu'est-ce que tout cela ? Sagère, numéro 2, assez de bavardage. Commençons par des exercices de guérilla. Le stagiaire numéro 1 fera une démonstration et le stagiaire numéro 2 observera et apprendra. Suis-je bien clair ? Oui, sergent instructeur. Je n'entends rien. Suis-je bien clair ? Oui, sergent instructeur. Pas créé non plus. Hein. D'abord, c'est numéro 2. Saut. Hein ? Sans hauteur. Nick. Puis numéro 4. Accroupissement. Je vais juste faire avec la souris, malheureusement. Puis numéro 6. Torsion intégrale du corps. Ah bon, calme-toi. Hein. Dose. Enfin, numéro 8. Saut accroupi. Hop. Repos. Excellent travail. Maintenant, stage numéro 2. Répétez les exercices que vous avez mémorisés. Ça rompiche fort. Il lance le lait. Hein. La stagiaire numéro 2, on se réveille. Et je suis réveillé. Somme de lait pendant la formation et vous perdez la tête. Ça va. Je suis désolé. Bon, si vous avez bien suivi le stagiaire numéro 2. Quand je dis numéro des exercices, vous l'exécutez dans l'ordre. Suis-je bien clair ? Oui, sergent instructeur. Putain, j'ai oublié personnellement. Commençons d'abord numéro 2. Numéro 2, 8. C'est comme ça. Faux, recommencez depuis le début. Putain, mais attends, numéro 2 et numéro 8, d'accord. Numéro 2 et 8, du coup, normalement, c'est bas et haut. Voilà. 8, 4, 8. Putain, 8. 4, 8. Très bien. 6, oh putain, 6, 8, 2, 4. 6, 8. 2, 4. Putain. Ainsi le dernier. 4, 2, 4, tu... Nick. 4. Merde, putain, mauvais sens. Fais chier. Oh non, mais ils peuvent toujours commencer à chaque fois. Oh. Nick. Vous pourriez dire la difficulté si vous trouvez... Non, mais non. Oh. Non, mais dose. Respectez-moi minimum. Non, je vais le faire. Nick. Faut que je me souvienne. Attends. Donc 2. D'accord, donc le 2 c'est comme ça, 8 comme ça, ok. 8. 4. Très bien. Non, je vais réussir. Nick. Donc. Attention. 2. 8. Le 4 c'est à gauche, ok. 8, 4, 8, 6, 8, 2, 4, 4, incroyable, c'est difficile, non ça prenait juste du temps. Ah. Bien, maintenant que vous avez mémorisé le mouvement cette fois-ci. Attendez, sergent instructeur, j'ai une question. Cet entraînement me rendra-t-il vraiment plus fort ? Pour battre les autres lutins qui sont dotés de compétences innées, j'ai pas le temps de lire. L'entraînement guérilla est une méthode d'exercice très efficace pour construire une base physique solide. Sagia numéro 2, vérifiez vos statistiques tout de suite. Avancez. Oui, sergent instructeur, hein ? It's over 9000 ?
mes stats. Maintenant, avez-vous envie de fournir un effort maximal pour votre entraînement? Oui, sergent instructeur. Je vais faire de mon mieux. Un grand enthousiasme, très bien. Le sergent numéro 1 se rendra au prochain lieu de formation et se préparera à l'avance. D'accord. La station numéro 2 fera 10 séries de chaque exercice de guérilla avec moi. Suis-je bien clair? Attendez, c'est pas un peu... Répondez-moi en disant affirmatif, stagiaire. Suis-je bien clair? Affirmatif. 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 Du mal le pélo. Hein. Ok. Allons à gauche. Ne jamais aller vers... Qui très fait une dernière ligne? Allez. Allez. Allez, descendez s'il vous plaît. C'est la Raphaël de Ring, c'est incroyable. I'm stuck, step bro. Il y a quelqu'un? Alors déjà, adoucissement. Oula. S'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Pourquoi je peux le faire? Oui, oui, dose. Genre, I'm stuck. Stuck. Attendez. Deux petites secondes. Tac. Ok. Hop, excusez-moi. Attends. Tintin. Hop. Voilà, pardon. Hop, on est bon. Alors, ouais, mais comment... Adoucissement, comment je vais faire? Comment vais-je faire? Merde, comme ça. Ça ne marche absolument pas. Ok. Oh putain! Nick! J'ai pas vu, ça devrait faire. Nick! Voilà. Et merde. Ah les jeunes, je vous jure. Les jeunes. Les genoux. Y'a rien sur le côté, absolument rien. Ouais, tout ça. Je vois. Faut essayer de pas non plus prendre énormément de dégâts. C'est plus des archers le problème. Je pense. Phase 2, logique. Oh putain. Oh bordel. Ah putain, ils ont deux dash, ok. Ils vont redash, voilà parfait, on esquive et là c'est bien. Voilà. Parfait. The end. Allons à droite, je sais pas où ça va mener mais allons à droite. Oh putain, mais là tellement de... Attends, c'est là où il y a Ena j'imagine. Voilà, c'est sûr. Quelque chose de couleur différente sur du rocher. Sûr. Vous plaisantez, je n'arrive pas à croire que vous m'aviez encore eu. Et ça. C'est sûr. Maintenant que j'ai compris qu'il y a une répétition avec Ena. C'était évident. Je sais pas où je vais, mais ça... J'aurais peut-être jamais dû les détruire. Un papillon. Et du coup, je devais... Très bien. Je devais tout s'éclaircir. D'accord. Putain, comment je vais faire? C'est impossible. Attends, il y a combien? Attends, 1, 2, 3, il y en a 4. Quand je fais ça, ça va trop vite. Donc le truc sera vraiment très très lent. Donc à moins d'avoir un timing pour tout. Oh la chatte! Nice! Ouh. Oh, je suis content d'avoir réussi instant. Il y a un truc à gauche.
Parfait. J'ai vu la porte au-dessus, ne vous inquiétez pas. Pas de panique, paniquez plus tard. Entrons, hein. Qu'est-ce que c'est que cette... Il est écrit sur le sol. J'ai même pas vu. Elle ne semble pas avoir beaucoup de signification. Mais il y a des trucs partout comme ça. Hein. Mais il y avait même ça dans le niveau 2. Sur le sol, pareil. Et quoi ça représentait? Aucune idée. Je les ai même pas notés. Je sais même pas si c'était important de les noter d'ailleurs. M'étonnerait quand même. M'étonnerait fortement. En tout cas, c'était bien par là. En tout cas, c'était bien par là. Parfait. Allons en bas. Attends, ça me mène... Non, attends. Ça va me mener à la suite. Toujours faire la mission secondaire d'abord. Une règle universelle. Bonjour, Poman. De Elden Ring. Comme vaut ta présence. Oh, c'est vous. Vous êtes venu jusqu'ici pour moi. Et c'est vraiment touchant. Quoi qu'il en soit, j'essaie de briser ce pot en fracassant contre le mur. Mais il est toujours intact. Il semble qu'il faut un impact bien plus puissant. Ah, pas d'inquiétude, je suis plus robuste que j'en ai l'air. Je me fiche de comment vous le faites. Vous pouvez me jeter ou même me faire sauter. Ah. Très bien. Attention, une jeune grenade. Let me cook. Je sens quelque chose. Oui, bah... D'accord, un petit peu. Ouais, ça va. En vrai, je peux juste le lancer. Je suis un peu con. Hein. Voilà. Ah. Il est. Vraiment. Vraiment. Il y avait quoi de l'autre côté? Parce que c'est même marrant, j'ai fait un passage secret mais j'ai pas fait l'autre. Vous voyez encore plus en bas. Un combat, évidemment. Bonne chose. Faut vite prendre cher, faut faire gaffe. C'est pas non plus ultra simple. Je sens vite la phase 2. Comme d'habitude. Oh, voilà. Exactement celle-là, bizarrement. C'est bien, il me focus. Peut-être des limites au focus quand même. Ok, j'ai pas vu les loups. Ok, ça mérite bon. Parfait. T'es mis à tellement le chemin. Dans 20 ans et demi. Hein? Non! Écoute, elle. Moi, j'ai envie de mourir! Oh, ce serait extrêmement bien me connaître. Ah! Qu'est-ce que c'est? Une pièce! Une crypto qu'on peut toucher? Un bitcoin. On dirait qu'elle peut être utilisée dans un distributeur spécial. Et lequel? Parce que j'ai miné du bitcoin. Bien joué. Non, franchement. Franchement, bien joué. Et je suis bloqué. Très bien. J'ai miné du bitcoin, d'accord. Bac plus 2, les enfants. Oui, donc à droite c'est fini, donc allons en bas. On est obligé. Y'a rien dans les bushs. Dans les buissons. Ok, c'est parti pour l'entraînement, j'imagine. Stagiaire numéro 1. Par ici. Pour augmenter votre endurance et votre volonté, nous allons commencer. L'entraînement de plongée. La plongée, c'est ma spécialité. Ces vieux crotons ne m'ont jamais trouvé quand je me cachais sous l'eau. Bon sang.
comme il manquait de... Je sais pas autant le dire. Ensuite, j'ajusterai la difficulté pour correspondre au niveau de la stagiaire numéro 2. Hein? Non, ce n'est pas... C'est parce que je... Oh, pauvre enfant. Oh, pauvre. Bon, je suis morte maintenant. On ne parle pas, tout le monde à sa place. À nos places. Oui. La stagiaire numéro 2 restera sous l'eau aussi longtemps qu'elle le peut. Pendant ce temps, la stagiaire numéro 1 utilisera un boomerang pour perturber la stagiaire numéro 2 quand elle remonte pour prendre de l'air. D'accord. Ah, moi et ma grande bouche. Pourquoi ai-je dit que j'étais bonne en plongée? Hé hey. Ok, ma mission, faire chier. Faire chier la meuf. Alors, commencez. Oui, bon, attends. Non. Dégage. Du coup, j'aurais que je droite. Non. Oui, je me balance. Mais putain, pourquoi ça fait ça? Hein? Le bâtard. Bizarre quand même, hein. Bizarre l'entraînement. Petit poisson. Merde. Mais pourquoi ça fait ça? Je comprends pas. I don't understand. Je crois que c'est le retour du joystick qui me fait aller de l'autre côté. Ça touche. Hein? Mais... Mais... Votre honneur. C'est honteux. Oh. Pas grave. Vous en êtes tous les deux très bien sortis. Ah, j'ai avalé trop d'eau. Alors, vous avez l'impression que votre volonté s'est renforcée? Les stats! Les stats! Et vous, moi j'ai bien l'argent. Voyons voir. Fais mieux de remercier votre bonne étoile. Si je n'avais pas vu de, résultat après tout ça, j'aurais simplement... Stagiaire numéro 2, vous devez encore être plus pleine de... Vous devez être encore pleine d'énergie auquel point vous êtes en colère. Non madame, n'est-ce pas... La stagiaire numéro 2 transportera toute son énergie. Personne. À la prochaine, j'ai pas eu le temps de lire, let's go. Bah sergent instructeur, s'il vous plaît. Il y a quelque chose de très très dur. Répondez-moi en disant affirmatif, stagiaire. Suis-je bien clair? Affirmatif. En avant. Ouais, quand même, à un moment donné, on a possibilité d'accélérer le texte. Hein. Parce que c'est vraiment parfois... C'est lent. Et qui est là? Qui fait autant de bruit et fait fuir le poisson? Yo. Est-ce que vous... Est-ce vous un pêcheur de pêcher en rond? Hein? Tous les poissons se sont cachés parce que vous faisiez tant de bruit là-haut. Empêcheur de pêcher en rond, prenez vos responsabilités. Aidez-moi à attraper du poisson. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous avant d'avoir rempli le quota. Oui, bien sûr. Sachant que c'est pertinemment que tu vas me donner quelque chose. Bien, nous n'avons pas beaucoup de temps, alors commençons tout de suite. J'ai plongé à tirer tous les poissons à la surface. Ensuite, vous lancez votre boomerang et les attrapez. Je ne peux pas rester sous l'eau que pendant une minute, donc vous devez terminer avant cela. Le petit fait 20 poissons. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous, vous l'avez compris. 20 poissons, putain c'est bien. Alors commençons. Wesh. Oula, 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 oula. Oula, je fais de la merde. Déjà un poisson manqué, super. Mais... Ah, je touche l'autre. Oh non. Ah, vas-y, Nick. Oui. Moi je l'ai, je crois. Ok, je suis bien à la moitié, je suis bien. Non. Ok. Ça va. Ok, le mur. Ok, ok. Oh, référé. Qu'est-ce que c'est? Mais péter un bowling. Nice. Facile, facile. Bon travail, humain. Je ne mourrai pas de faim aujourd'hui grâce à vous. En retour, je vais vous donner quelque chose qu'aiment les humains. Ah non, juste un instant. Logique. Les humains aiment les choses qui brillent. Je les ramasse au fond de l'étang. Je dois y aller. Y aller et manger à présent. Au revoir, humain.
Au revoir. Oui, oui, oui. Ah bah attendez. Attendez, attends, je m'étire. Attendez. Ah voilà. Je savais qu'il manquait un truc. Il me paraissait bizarre, attendez. Je m'étire. Ah voilà. C'est un bel étirement. C'est vraiment le pur hasard. Bien, bien, bien. Voilà. Rien. Bonjour. Fruits, potion de guérison. On dirait que j'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi je le sens pas pour toi? Aurais-tu besoin d'aide? Les affaires aujourd'hui se passeront sans problème. Mais c'est la roulotte de truc principal. Oh putain de combat. Bon. J'imagine que je pense d'abord taper ceux derrière. Voilà. Attention aux archers. C'est ceux-là qui me font le plus peur. Voilà, c'est fait. Il y a deux gros, c'est pas forcément facilement évitable. Et il y a pas de phase 2, d'accord. Ça m'arrange. Ça m'arrange, allons à gauche. Et c'est la suite, voilà. Je vais pouvoir ouvrir la porte. On the door. Et y'a rien, parfait. Absolument y'a rien, on est d'accord, ouais, c'est juste graphique. Les petits pavillons, ça, c'est juste graphique. En bas c'est la suite. Allons par là. Ah, oh merde. Merde, merde, merde. Et lui il bouge pas. Ah, y'a les loups derrière. C'est plus ça qui est embêtant pour le coup. Moi je remarque quand même un bon gros DPS. Je me cache avec les... La big mauvaise idée. Je vais juste passer vent pour voir. Pour esquiver. Voilà. Ah mais il est mort. Ça va. Très bien, c'est quoi ici? Y'a absolument que dalle. Y'a rien ici. Que dalle. Bon, Poman, Potman. J'aurais jamais dû faire ça. Ah, vous êtes encore là. Il semble que le simple fait d'appliquer un choc ne fera pas l'affaire. Nous devons sortir des sentiers battus. Le feu. Ah. Ok, celui en haut à gauche, il est bien. Non, quel abruti! J'ai envie de casser un truc. Ah! Et en fait, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve. On va essayer de faire celui en haut à droite. Voilà, celui-là. Voilà, c'est vrai. Trop chaud! Ça peut être un échec! S'il vous plaît, refroidissez-moi! Solong. Tiens. Mais mourir, je vais finir en rôti. Oui bah 2 secondes. Voilà. Je vais le jeter un peu plus loin. Grâce à la pression. Je suis enfin sorti. Enfin, youpi. J'ai repris ma forme originale. Tout ça c'est grâce à vous. Voici une récompense pour vos efforts à BD. Je me sens si léger déjà. Il est temps de partir. Ouais. Un étain? Non, un pot. 50, putain. Hein. Faut savoir faire plaisir à tout le monde. Hein. Toi, t'es louche. Tu restes louche. Bonjour. Vous voulez pas dégager? Que dois-je faire si je pars alors? Vous avez besoin d'aide? Ouais. Ok. Merde. Béchoule. Vous avez dû venir après avoir entendu des pleurs de ce petit gars, vous aussi.
Le pauvre, on dirait qu'il a été pris dans un piège de chasseur et qu'il s'est blessé à la jambe. Il n'y a nulle part où le soigner dans les environs. Et même l'empire de rats où je vais est bien loin. Quel dommage, j'ai même appris les premiers soins pour des moments comme celui-ci. Aurez-vous des potions de guérison par hasard? Oui, 2 secondes. Je vois. Si vous tenez une potion de guérison à n'importe quel moment alors, pourriez-vous me le donner? Je vous rembourserai généreusement. Bien sûr, merci. Je serai ici à calmer ce petit gars. J'imagine que l'autre veut du bitcoin. Du bitcoin plutôt. Ce serait logique. Ce serait logique. Bonjour. Et vous, êtes-vous intéressé par ce que j'ai à vous offrir? Oui, c'est bon, on a compris. J'ai tout, de la nourriture, vêtements, dites-moi ce dont vous avez besoin. Blablabla, donne. Donne, j'ai de la thune. Qu'y a-t-il, Jono? Cherchez-vous quelque chose? Je cherche une potion. Oh, une potion de guérison. J'ai certainement un stock. En tenant compte de plusieurs situations géographiques, cela fera un total de 10 000 or. Qu'en dites-vous? 10 000 or? Mais ça vaut vraiment que dalle. Je veux dire, bien sûr, c'est plus cher que les prix que vous voyez dans les magasins, mais je vends les biens que j'ai sous la main pour gagner de l'argent afin de voyager et... J'ai l'impression que c'est un prix raisonnable, étant donné qu'il est difficile d'obtenir des choses ici dans les montagnes. Alors, vous allez payer? Ouais. Ah, excellent choix. Voici, prenez ceci. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. À la prochaine. C'est moins cher quand c'est gratuit, hein, vraiment. Hein. J'espère vraiment que c'est une bonne potion, mais vraiment, c'est que dalle. Hein. Elle veut apporter la potion d'horizon? Bien sûr. Je donne. Merci. Avec cela, je pourrai guérir ses blessures. Je dois vous remercier. Attends juste un instant. Oh! Un lagon d'argent. C'est un lagon d'argent que je vends. Il est de bonne qualité, donc vous serez certainement en mesure d'obtenir un bon prix. Bon alors, je vais guérir ce petit gars, merci. Il faut juste attendre un peu et ça ira mieux, bientôt. Je le dis. Je vois la marchande quand même, parce qu'elle va peut-être vouloir me revendre un lingot. Et là, je vais revendre à un prix absolument exorbitant. Bonjour. Êtes-vous ici pour acheter quelque chose? Je suis ici pour vendre un lingot d'argent. Oh, vous voulez vendre un lingot d'argent? Voyons voir. Désolé de vous le dire, mais ce lingot d'argent est illégal dans la plupart des pays. Voyez-vous cette nuance voilée d'argent sur la coupe transversale? Cela veut dire que d'autres méthodes sont mélangées avec dedans. L'argent contrefait a bien brièvement circulé sur le marché. J'ai entendu dire qu'on pouvait aller en prison même pour s'être seulement impliqué dans des choses comme ça. Hey. Enfin, si cela vous embarrasse, je peux m'occuper de ce lingot d'argent pour vous. 2 pièces d'or. Je suis marchand ambulant après tout, je pourrais toujours le vendre ailleurs. Mais comme je ne suis pas très enthousiaste, l'idée de prendre ça, 1000 or semble équitable, non? Non. Non, je peux le garder. Mais putain! D'accord, je vais vous en débarrasser. Venez me trouver si vous avez d'autres ennuis. Mais pétez un plomb! Pétez un plomb! Putain! Nick! Nick! Et il s'est barré. Ah, alors prendre de passage vers le nord. Viens ici, mon petit, viens ici. Et du coup... Mais toi, la boutique d'ici aujourd'hui. Putain, ils sont de mèche. 100% ils sont de mèche. 100% ils sont de mèche. Il y en a un, donc ils ont un plus animal, ils l'ont blessé. En tout cas, il fait semblant. Oh, j'ai besoin d'une potion. Peux-tu me... Il y a une boutique là-bas. Tiens, va la prendre. Hop, 10 000 balles. Ah tiens, je vais te donner mon meilleur truc. Un lingot. Oh, ça va pas très cher le lingot. 1000 balles. Et hop, ils se barrent ensemble. 100% c'est ça. 100%. 100%. À droite. Voilà. Cette tactique n'est-elle pas géniale? Nous pourrons l'utiliser un bon moment. Eh bien, ce sera suffisant pour couvrir nos frais de voyage. Avant d'arriver à l'Empire de Rat.
Bonjour. Hein? Vous êtes... Espèce d'escroc. Vous m'avez donné du faux argent? Je n'aime pas votre ton, mais je suppose que vous pouvez le penser. Cependant, je ne vous ai pas menti. Je comptais vraiment les vendre à l'armée de l'Empire de Ra pour 100 000 or l'unité. Je veux dire, ce n'est pas illégal puisque ce n'est pas une transaction privée. Alors c'est vous qui m'avez menti. Je suis désolé, mais je n'ai jamais menti moi non plus. Les transactions privées d'argent sont vraiment illégales parce qu'il y a eu un scandale de contrefaçon. Bien sûr. C'est pour ça que j'aidais quelqu'un dans une situation délicate qui voulait vendre son argent. Ne voyez-vous pas? Oui. Eh bien, nous n'avons pas vous duper en soi, mais... Vous avez subi des pertes et nous avons réalisé un profit. Alors je vais m'excuser. Eh bien. Avant toute chose, nous ne pouvons pas rendre le profit que nous avons gagné. Mais je suppose que nous pouvons partager nos coordonnées avec vous. Cela fait un moment que personne n'a vu clair dans notre combine. Je pense que nous pouvons former une sorte de partenariat. Oh, le vilain dropshipping. Très bien, alors. Escroc. Oh. Nous contacterons si nous avons quelque chose de gros. Au plaisir de faire affaire avec vous la prochaine fois. C'est ça. Putain d'escroc. Oh. Et bah voilà. Escroc quand même, hein. Saloperie de saleté, hein. Putain d'influenceur. Ah là. Y'a quoi ici? À gauche! Très bien. Ça fait des jours et des nuits. S'il vous plaît, trouvez-moi juste mon enfant. Oh putain, dites. Replay. 10 secondes, d'accord. Madame, veuillez vous calmer, nous faisons de votre mieux pour. Alors, s'il vous plaît, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? À Sherlock. Des mystères irrésolus, une série de disparitions. On dirait que moi, détective P, je suis le seul à pouvoir résoudre cette affaire. Et P, pourquoi détective Je sais pas. Oh, vous êtes le héros. Et c'est un honneur de vous rencontrer. Peut-être une voix un peu plus riche. P, parlez-vous de moi? Mon nom est P, et je suis un détective. Il y a eu des cas consécutifs de personnes disparues dans le village récemment, ce qui a causé beaucoup d'anxiété. Alors me voici, pour résoudre cette affaire. Ah, en parlant de ça, héros. Il se trouve que j'ai besoin d'un assistant pour m'aider avec cette affaire. Si vous êtes d'accord, seriez-vous prêt à m'aider à résoudre l'affaire des personnes disparues? Ouais. Moyen en paiement, bien sûr. Merci alors. Tenez. Un costume de lutin. C'est un costume pour vous déguiser en lutin. Les villageois ont été très méfiants quant à laisser entrer des étrangers dans le village en raison des récentes affaires de meurtre. Comme la France. Vous aurez besoin de cela pour rentrer dans le village. Sûr. Ah, il semble que ce soit trop petit pour vous. Dans ce cas, je vais chercher un autre moyen. Une personne à qui cela ira parfaitement. La princesse, bien sûr. Oh, c'est vrai? Vous avez informé la petite princesse du quai de disparition de lutin. Les quêtes secondaires, là, qui va durer 10 minutes. Top chrono. Wouhou. Le niveau de l'affaire de disparition de lutin a été déverrouillé. Nice. Il y avait une autre petite héroïne, je vois. Alors, je vais me diriger vers le village où l'incident s'est produit, en premier. C'est ça. Et ben voilà. Fin. Y a-t-il autre chose que j'aurais peut-être pu manquer? Non. Pour l'instant, non. Pas vraiment. Avancez plus vite! Comment allez-vous finir 500 tours comme ça? Oh, stagiaire numéro 1. Que voulez-vous dire? En demandant ce que je fais, c'est jouer de la formation de guérilla des gardiens de Canterbury, bien sûr.
La course, CBR. La course CBR est une méthode d'entraînement très efficace pour développer l'endurance cardiovasculaire. Je peux obtenir une potion de fumée de poivre, alors j'utilisais un feu de camp, mais... Princesse, c'est 100 tours, pas 500. Vraiment? C'était quel tour déjà? Corneille, vous devez juste effectuer 100 tours. Ouais. Corneille, vous m'avez entendu? Je pense que vous avez déjà fait 100 tours. Je peux le faire. Par le pouvoir de l'amitié. C'est la preuve. La preuve que je ne suis pas un rebut. Un rebut, quand quelqu'un conclut, je dis ça. Il y a quelque chose que les gens me disent depuis aussi longtemps que je me souvienne. Que ma vie est prédéterminée. Que mon existence n'est pas quelque chose qui peut être changé par l'effort. Mais vous m'avez montré que je peux le faire. Que je peux briser le destin grâce à un travail acharné et... Fin. Cornet! Bon sang, ne me faites pas rire. Ce genre de course, je pourrais le faire toute la journée. Je vais courir jusqu'à la toute fin. Et... Je vais leur montrer. Je vais leur montrer comment j'ai commencé tout en bas et grimper jusqu'au sommet. On the bottom now we're here. Comment un rebut peut devenir une héroïne. Ah. Ah. Oh Cornet. N'arrêtez pas à courir jusqu'à la fin. Jusqu'à l'épuisement. Oui Cornet, vous pouvez le faire. Allez Cornet. Cornette, Cornet. Je l'appelle Cornet. Même si un T. Mort, Cornet mort. Ah, fini. 500 tours. Je m'excuse. N'arrive pas à croire qu'elle vous immobilisez, vous, héros, jusqu'à cette heure. Je vais vous assurer que ceci rentre en toute sécurité à la maison. Que celle-ci rentre en sécurité à la maison. Très bien, je vais vous laisser vous en occuper. C'est du bon boulot. Héros, vous pensez vraiment qu'elle va gagner le concours? Je ne suis pas sûr. Nous ne savons pas si les autres lutins sont forts. Mais je peux dire ceci de certain. La sueur que Cornet a versée aujourd'hui ne la trahira pas. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Faites de votre mieux, Cornet. Je suis avec vous. Nous devrions y aller aussi. Il manque quelque chose. Mais je pense que j'ai oublié un truc. Une lettre qui est sur le sol. Quelque chose qui chose semble inquiétant. Hein. C'est quoi toutes ces marques? Vous là-bas, attendez! Qui es-tu? Puis-je avoir un moment de votre temps? Qui êtes-vous? Aucun mal n'est fait au corps. Je l'ai juste fait croire qu'il souffrait. Cette douleur est fausse, il faut surmonter. Vous ne pouvez échapper à cette douleur. Plus vous y pensez, plus elle devient forte. N'essayez pas de la combattre. J'ai déjà conçu pour être insurmontable, même au niveau du subconscient. Est-ce que vous êtes... Je suis presque sûr que vous n'avez pas le temps de pinailler sur la nature de ce qui se passe. Cette chose devant vous va tomber en état de choc et mourir si vous ne l'arrêtez pas. Mourir? Sortez la lumière bleue. La lumière bleue? Oui, la lumière bleue. Votre pouvoir opportun qui a sauvé le monde encore et encore. Mais cette chose est une coïncidence. C'est entièrement sorti de nulle part. Alors vous allez juste vous asseoir là et vous tourner les pouces. Sortez-le d'une manière ou d'une autre, ou votre chevalier va mourir ici. Ah, Proxix, je dois le sauver. Lumière bleue, que vous soyez, s'il vous plaît, apparaissez.
Hein ? J'ai vraiment eu l'impression que quelque chose arrivait. Vérification terminée. Désolé, pardonnez-moi. Ne vous faites pas trop en inquiétude, votre chevalier est juste endormi. Eh bien alors. Ah, c'était si facile. C'était si facile. Je l'avais dit, il n'y avait pas besoin de vérifier. Oui, et maintenant vous avez tout gâché. Uno, vous l'avez dit d'innombrables fois, vous ne pouvez pas encore être exposé. À quoi pensez-vous en apparaissant comme ça, alors que tout ce que nous avons à faire, c'est de rentrer maintenant. Fermez-la. Le gardien n'est pas en état de se battre, et je viens juste de voir que je peux bloquer ça. Mais vous voulez juste les laisser comme ça? Êtes-vous folle? Non, je veux simplement dire qu'il y a un ordre à mettre dans ces choses. Peu importe, faites ce que vous voulez. Si vous allez faire quelque chose, dépêchez-vous. Nous ne savons pas quand le chevalier se réveillera. Ah, pas besoin de vous inquiéter pour moi. Quoi? Mais de quoi parlez-vous tous les deux? Seconde princesse de Canterbury. Avez-vous pris plaisir à semer le trouble ici-là? Ça doit être sympa de pouvoir faire ce qu'on veut. Une petite chose égoïste. Comment avez-vous pu vivre comme ceci? Comme si tout allait bien. Quand je suis tellement dégoûté que je ne peux pas le supporter. Non, partez. Stop. Était-ce une lune bleue qui tombait? Qu'est-ce que c'était? Je n'avais jamais vu cela auparavant. Cela a divergé. Non, à cause de moi? Encore? Merde, cela a divergé. Non, je t'y mens. Le monde, il a divergé. Une erreur, non! Je croyais avoir dit de ne pas les mettre en contact avant la déstabilisation. Vous devrez tous les deux en assumer la responsabilité. Désolé, c'était ma mauvaise gestion. Que vous ayez en tête, j'accepterai toute la punition. Je la recevrai avec volontiers. Mère prendra cette décision. Rentrons d'abord. Nous avons perdu trop de temps. Attendez, arrêtez! Qui êtes-vous? Pourquoi me montrez-vous ceci? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous continuez à avoir des choses étranges, peut-être que vous devriez d'abord douter de vous-même. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ah oui! Bonne disparition. Ils sont partis. Aurais-je vraiment vu quelque chose d'étrange? Proxix! Proxix, réveillez-vous! Est-ce que ça va? Ah, quel soulagement! Vous êtes réveillé! Comment sentez-vous? Êtes-vous blessé quelque part? Que pensez-vous qu'il vienne de se passer? Un ennemi différent? Ils ont attaqué Proxix, mais il semblait qu'ils en avaient auprès de moi aussi. Vous devriez peut-être rester à Ravenhold, ou tout en sécurité, tout en sécurité. Mais il faut que nous soyons tous les deux ensemble pour former un héros complet. Dans des moments comme celui-ci, nous devons nous serrer les coudes. Restons ensemble comme nous l'avons fait, et demandons à quelqu'un d'autre de le faire. Salut, Marianne. Je voudrais que vous enquêtiez sur quelque chose. Ok. Eh ben ouais. Eh ben putain. Ah oui, quand même. Info score, très bien. Putain, le flashback du Vietnam. On n'a pas fini avec ça, par contre. Il manque encore quelque chose. L'enfant qui se cache dans la forêt du thym, l'affaire qui disparaît du thym, ok. Rien de trop. 50 minutes, certes. Mais il nous faut 3 étoiles. Il manque encore quelque chose.
On savait du... On va devoir tâtonner, hein. Pas ça. Observez, observons. Oh putain, je dois tout recommencer. Oh, fais chier. Ah, ça c'est chiant, par contre. Ah. Oh. Ça va non plus extrêmement loin non plus. Où est-ce que j'aurais pu le manquer? Merde. J'essaie de réfléchir en même temps. Mais je ne vois pas. Que ça j'ai ouvert, ok. C'est bon. Ça c'est bon, ça c'est fait. De toute façon, dès que je vois un combat, je vais passer par le passage secret. Passer au-dessus. Pas vraiment l'air. Non. L'eau non plus. Je sais pas, faut tout tester dans tous les cas. Tout tu. Rien ici en particulier. Là, il va y avoir un combat, c'est ça. Demi-tour droite. Flemme de le faire. Flemme de mourir comme un caca humain. Flemme. Hop. Rien du tout. Là, ça j'ai fait. Mais ça permet d'ouvrir ceci. Et ici, j'ai eu un... Il y en a un deuxième. Je m'étonnerai fortement quand même. Non plus. En fait, il faut éliminer les parcelles d'endroits où j'ai eu une interaction avec quelque chose. Donc, genre, ça c'est pas possible, j'imagine. Comment faut une explosion quelque part? Ça, je fais avec l'eau. Fais ça. Ça aussi. Merde. De toute façon, pour arriver ici, je suis obligé de faire le combat. Dans tous les cas. Merde. Voilà pour ça que j'ai peur. Et que j'ai la flemme de tout recommencer. La fin. Et ici c'est avec Pauman. Ok. Mais encore! Il y aurait peut-être un autre chemin, un autre endroit. Pas d'ailleurs. Non plus. Faut tout tenter. Rien à l'horizon. Sinon. Si c'est pour avoir une mission avec Sherlock. Comme on a un passage secret. Pas la moindre idée. Peut-être c'est plus loin. Eh bien non. Putain, mais c'est où? Where is it? Bien. Où est-ce que ça peut être? Ici, il y a quoi? Ah, attendez. Parce que c'est l'endroit avec la contre-foudre.
Mais il y a un truc, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose. Oh putain, il y a un combat ici. Oh. Ah, gaffe, il y a une phase 2. Écartez-vous, les jeunes. Pas comme moi. J'avais pas vu celui-là. Il y a un passage ici qui est l'abruti mental. Ah, et c'est là où je fais mini Bitcoin. Merde. Je vous ai pas du tout baissé le son, excusez-moi. Bref. Bonjour. Une machine à utilisation inconnue. Elle ne marche pas pour l'instant. Super. Et vous, distributeur. Il ne marche pas pour l'instant. Pourquoi ça va pas fonctionner? Voilà. La dynamite. Ah, mais à quoi ça sert? J'ai le putain de Bitcoin. Il ne marche pas pour l'instant. Fais chier. J'imagine que c'est que ça en fait, hein. On va essayer de voir contre foot quand même, mais bon, mettons que ce soit ça. Non, c'est mieux l'autre. Je pense que ça reste mieux l'autre. Je pense que c'est plus tard. Et ça marche souvent comme ça, un peu. Ouais, Dentales. Aïe, aïe. C'est où? C'est en bas. C'est en bas. Ah, je peux pas y aller. Je suis niqué. Et bah, comme ça, la réponse est claire. Non, je pense que c'est mort. Je pense qu'il faut obligatoirement attendre plus loin. Parce que je vois pas une possibilité d'avoir de l'énergie. En plus, c'est marqué, ça ne fonctionne pas pour l'instant. C'est-à-dire qu'ils sont pas sûrs. La musique, hein. Il ne se passe rien. Mais vraiment rien. Donc, tant pis. Tant pis, tant pis. Faut dans des trucs vaudous. Hop. Ah bah tant pis. Et bah tant pis. Pour l'instant, ce sera pas vraiment un train d'étoiles. Pour une prochaine fois. Très bien. Et bah tant pis. Pas grave. Au revoir YouTube. À très bientôt.